On fait Maintenant tu affaire. vas me donner les sous, maintenant tu l'as ouvert, maintenant tu me donnes les sous. Je vais te donner les sous pour un faux iPhone, moi. Ouais, tu me donnes les sous maintenant. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous inviter à rejoindre en masse mon Instagram, MikalashYTB, il s'affichera juste là, il sera aussi en description. Venez vous abonner en masse, dessus il y aura des vidéos très très lourdes, des trucs exclusifs. Je compte sur vous pour me rejoindre. Salut tout le monde, c'est Mikalash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement piéger un escroc sur le Bon Coin. Alors voilà, je vous explique. Il y a pas longtemps, je me baladais sur le Bon Coin, parce que moi je me balade, je fais des petits footings, voilà, sur le Bon Coin tranquille, et je suis tombé sur une annonce assez bizarre d'un iPhone X 9 qui était vendu pour 800 euros. Donc voilà, il faut savoir qu'en général, il faut plutôt un SMIC et demi ce téléphone, suivant les gigas qu'on prend. Bref, entre 1002 et 1005. On est d'ailleurs moi-même un. Hein. Et donc, je vous avoue que j'ai trouvé ça un petit peu louche de le voir aussi bas. Et après avoir fait quelques vérifications, après avoir bien regardé les photos, etc., en fait, je me suis rendu compte tout simplement que c'était un faux iPhone. Voilà. Donc voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis sûr à 100% que c'est un faux. J'ai fait quelques vérifications et j'en ai vraiment la certitude. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est tout simplement qu'on va essayer de contacter ce vendeur malhonnête et qu'on va essayer de le piéger. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes en toute cette vidéo si vous kiffez quand je piège des escrocs sur le Bon Coin et à vous abonner à la chaîne pour faire gonfler mon magnifique ego. Bon du coup, j'ai enregistré son numéro, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler et on va lui fixer un rendez-vous pour le piéger. C'est parti, voilà, c'est parti. Je m'approche un petit peu pour que vous puissiez mieux entendre. C'est parti sur une vidéo ASMR. Oui, allô, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai vu votre annonce sur le Bon Coin pour l'iPhone. C'est bien vous du coup qui vendez l'iPhone X, c'est ça? Oui, exactement. Il est en état neuf. Oui, il est neuf, je l'ai acheté, il n'y a pas de problème. Bon du coup, moi je serais intéressé en fait pour vous l'acheter. Oui, ouais. Bah ce qu'on peut faire, si ça vous dérange pas, si on peut essayer de se rejoindre demain. Du coup, on va demain. Une espèce, je peux pas vous faire un chèque ou quoi? Non, je peux faire un chèque. Ou par virement bancaire? Non, je peux faire avec les 800. D'accord, bon je viens avec les 800 euros en espèces du coup. Ouais. D'accord, oui, c'est pas de soucis, ouais, je prends l'espèce et comme ça. Bah je vous dis à demain monsieur. Merci, au revoir. Bon voilà les gens, du coup, c'est bon, je l'ai fixé un rendez-vous. Vous avez vu, hein, il me demandait de ramener les 800 euros en espèces. Donc bon, bien sûr, j'ai pas dû ramener les 800 euros pour son faux iPhone. Et, mais voilà, ça montre que le truc est un peu plus chelou. Ça me conforte dans mon idée qu'il y a un truc bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, on va le découvrir ensemble. Donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite coupure. Et nous, dans la vidéo, on se retrouvera directement demain face au vendeur. C'est parti. Salut. C'est toi que j'ai eu pour l'annonce sur le Bon Coin? C'est ça. C'est pour l'iPhone, c'est ça? Ouais. D'accord. Ouais, j'ai les sous, y a pas de soucis. Du coup, ouais, c'est le nouvel iPhone, c'est bien ça? C'est le dernier? Ça, c'est le dernier. Je peux le tester vite fait avant de l'acheter? Si ça pose pas de problème? Ça me posait de problème parce qu'en fait, il est emballé, il est tout neuf. Donc, je veux pas que tu le déballes. Il est emballé? Ouais, il est emballé. Il était pas emballé sur l'annonce? Ah non, parce qu'en fait, c'est un nouveau là. C'est un nouveau que j'ai reçu, donc du coup, comme il est emballé, je veux pas que tu le déballes et qu'au final tu le prennes pas, tu vois. Non, mais je vais le prendre, ouais, j'ai les sous, y a pas de soucis, je te passe les sous. Ouais, je le prends, d'accord, mais je te laisse pas le déballer. Mais tu l'as au moins là? Tu l'as? Ouais, je l'ai. Fais voir. Ouais, je vais pas te le montrer 150 fois, tiens, regarde, il est là. Mais je peux le tester vite fait? Non, commence pas à. Tu vois ce que je veux dire? Tu me donnes des sous d'abord. Attends, t'es chelou, gros. Quand j'ai un iPhone, tu veux même pas me le montrer? Parce qu'il est emballé, y'a quoi que tu comprends pas en fait? Le problème c'est que si tu le déballes, après moi je suis baisé. Je vais le revendre après. Je vais te le prendre l'iPhone. Mais moi je veux être sûr, je veux que tu me donnes les sous. Si t'as les sous, tu me les donnes en premier et après je te donne l'iPhone. Je veux juste vite fait le tester quoi, genre voir si. Non, y'a quoi que tu comprends pas, je viens de te dire. Ça perd de la valeur. Ben non, je comprends ça, mais la. Y'a une logique dans le cerveau, comment ça se passe là? Calme-toi frère, tranquille. Non, mais c'est toi, t'es là, tu me dis je sais pas quoi. Non, tu me donnes les sous, après tu le déballes, tu fais ce que tu veux, tu frottes le cul, mais là tu le prends pas. C'est toi frère, genre. Déjà, tu l'as eu où cet iPhone là? Je reçois plein de téléphones, j'ai plein de téléphones chez moi. Là, je crois que c'est Apple qui me l'a envoyé celui-là. C'est Apple qui t'envoie, c'est bizarre. Avoue, c'est un peu bizarre tes histoires là que tu me racontes là. Comment ça? Tu connais pas ma vie? Non, j'ai pas dit ça, mais. Genre déjà tu le mets genre sur le Bon Coin tu vois. Ouais. De base il vaut 1209 c'est ça? Ouais c'est ça. Là il était à 800. Ouais, genre je t'avoue j'ai trouvé ça bizarre un peu. J'ai dit ouais pourquoi il va vendre l'iPhone 9 400 euros de moins? Écoute si je te dis que j'en ai 5 comme ça. Non encore tu vois. Ouais, non. 100 fois 5 ça fait beaucoup quand ouais, même. Ouais je t'explique. Alors ouais. Qu'ils sont gratuits pour moi. Ouais je t'explique. Moi je suis pas là pour juger, tu fais ce que tu veux. Tu vois tu veux le vendre même 500 euros, tu veux même le vendre à 1 euro, y a pas de souci. Mais ce qui est bizarre frère c'est je viens tu vois et tu veux même pas me faire que je le teste. Tu vois ça plus tous les autres trucs ça fait un truc chelou, tu comprends? Ouais, mais moi je te laisserai pas le toucher tant que j'ai pas les sous en main. Tant que t'as pas les sous en main? Tant que j'ai pas les sous dans ma main comme ça là. Mais je les ai les sous, je les ai. Ouais, mais tu les as, mais moi je les ai pas dans ma main là. Là il me les faut dans la main et je te donne l'iPhone dans la main aussi.
Moi, je voulais, en fait, je voulais voir un truc, je voulais vite fait tester parce que c'est pas sûr que je le prends. Voilà, je te dis la vérité, c'est pas sûr que je le prends. Ben, c'est pour ça, justement, t'es pas sûr, ben moi je te donne pas la. Parce qu'en fait, en fait, genre. Je me posais une question, tu vois, moi je m'y connais pas trop en informatique. Salut. Et genre, genre, je savais pas si c'était un Windows ou un Mac. Quoi? C'est quel. C'est Windows Vista? J'ai entendu des échos bizarres, tu vois. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est Apple, c'est un iPhone. Ah, c'est Apple, c'est ça? Ouais, c'est Apple. C'est Windows. Oh, qu'est-ce que tu me racontes, gros? Oh, mec, c'est un iPhone, c'est Apple, il n'y a pas de Windows. Windows, c'est Windows. C'est... Moi, je t'ai dit, je m'y connais pas trop en informatique. C'est pour ça. Windows. Je voulais voir vite fait, tu vois, je m'y connais pas en informatique. J'y connais rien, moi. Ouais, mais là, c'est pas de l'informatique, c'est Windows, smartphone. Je comprends pas. Google, frère. Google Chrome, là, j'y comprends rien du tout, frère. Ça me rentre dans la tête, ça. Ça me ressort par le cul, frère, tu comprends? Ouais, mais non, mais là, tu me sors n'importe quoi. Là, je te dis, moi, tu me prends l'iPhone, je prends les sous d'abord, et après, tu fais ce que tu veux avec. Mais c'est quoi? C'est le 11, c'est ça? C'est le dernier modèle là, qui vient de sortir. Oh, mais toi, t'es vraiment un con, j'ai jamais vu un. En plus, c'est marqué sur l'annonce, c'est écrit iPhone X, c'est le 10. X, ouais, mais X. X, c'est 10 en chiffres romains. Moi, je t'ai dit, je m'y connais pas en informatique, frère. C'est quoi, c'est l'iPhone 10? C'est le 11. Je te dis, c'est un smartphone. Et c'est pour ça, je veux le tester. Ma puce, elle rentre même pas dedans s'il faut. Mais ça, ça, c'est pas mon problème. Tu vas le tester à SFR ou je sais pas où, mais tu le testes pas là. Moi, je te dis, tu l'ouvres la boîte. C'est mort, je peux plus le revendre après. Je le revends plus 800. Je vais descendre à 400, je vais perdre au moins 400 euros. Tu vois ce que je vais bon, je te dis. Regarde, on fait un truc. Tu me passes l'iPhone. Ouais. Tu me passes l'iPhone. Windows, peu importe Windows, que peu importe ce qu'il est, je te passe les sous. Tu me le passes, le test vite fait, tu vois, mais je te passe les sous quand même. Tu me donnes les sous comme ça. Regarde, tu me donnes les sous. Regarde, regarde, on va faire un truc, regarde, on va faire un truc. Tu me passes l'iPhone dans la main. Moi, je prends les sous dans ma poche. C'est bon, regarde, ils sont là, les sous. Écoute, commence pas à m'arnaquer, je veux les sous. Moi, je veux les sous. Tiens, regarde. Mais il est pas emballé, frère. Si, il est emballé. Il est pas emballé du tout, là. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? C'est quoi, ça? Oh, maintenant, donne-moi les sous, qu'est-ce que... Donne-moi les sous, maintenant. Oh, oh frère, c'est... Donne-moi les sous, donne-moi les sous. Oh, frère, c'est quoi, ce truc? Donne-moi les sous. Oh, t'es sérieux, frère? Comment ça? Oh, c'est quoi, cette merde, frère? Tu te fous de ma gueule? Comment ça, je me fous? Tu voulais me vendre ça à 800 euros? Ah, mais donne-moi les sous. Mais qu'est-ce que sous, frère? C'est un faux. Mais c'est même pas un faux iPhone! C'est un truc en plastique, frère! Ça s'allume même pas! Et alors, c'est quoi ton problème en fait? C'est quoi ce truc, gros? C'est quoi ton problème en fait? Oh, c'est. Mais tu voulais vraiment vendre ça? Comme ça, maintenant, frère! Tu vas me donner les sous, maintenant tu l'as ouvert, maintenant tu me donnes les sous. Je vais te donner les sous pour un faux iPhone, moi. Ouais, tu me donnes les sous maintenant. Tiens, regarde ce que j'en fais de ton faux iPhone 2. Là, t'as vu ce que j'en fais? Et comment je vais faire pour le revendre? Ok, c'était un faux, ok, je voulais t'arnaquer. Mais maintenant, comment je vais faire pour le revendre? Donc, mais tu ne revendras personne, au moins t'arnaqueras personne de plus là, avec ton faux iPhone tout pété là. C'est un fake, je te dis, ouais, c'est un faux, tu me le redonnes et puis ça s'arrête là. Tu l'as acheté combien ça de base? Dis la vérité, dis-moi la vérité, tu l'as acheté combien? Je l'ai acheté 15 euros. Tu l'as acheté 15 euros? Je l'ai acheté 15 euros. Tu voulais me le vendre 800 euros à moi? Pour qui tu me prends en fait? De quoi? Pour qui je te prends les sous? J'ai rien du tout, t'auras pas de sous. T'auras pas de sous toi.